Là, est-ce que ça fonctionne? Non plus? Étrange. Pourquoi que je suis pas capable? Je suis en live, Cliff. Attends un peu. Ça sera pas long. Ah, oui, vous m'entendez? All right. Là, vous m'entendez? Ça fonctionne? All right, cool. Super. Fait que, est-ce que le son il est bon? Est-ce que vous avez l'impression que le son sort de mon mic ou vous avez plus l'impression que le son il est sur mon ordinateur? Dans le fond, pour savoir ça, si vous entendez un écho, c'est que là, en ce moment, le son provient de mon ordinateur. Mais si le son est bon, ça veut vraiment dire que ça provient de mon micro. Fait que, juste me confirmer, dernière confirmation, s'il vous plaît, juste me dire, est-ce que vous m'entendez bien? Puis si vous m'entendez bien, je vais partir ça officiellement. C'est vraiment cool, ceux qui, j'ai parlé au début, un premier 5 minutes tout seul, le son est parfait. All right, cool. Bon, mais je passe ça. Merci à tous d'être là à mon premier webinaire depuis très longtemps, en fait. Le dernier webinaire que j'ai fait pour gros, ben, j'en fais pour plein d'autres trucs. C'était au mois de janvier. Puis on a connu quand même pas mal de succès avec ce webinaire-là qui a fait en sorte que notre pipeline des ventes, en fait, s'est rempli automatiquement. Fait que j'ai dû prendre une pause de 6 mois, le temps de bâtir une équipe pour répondre à cette demande-là. Ça fait vraiment un bout de temps là, qu'on implante de la tech, tout ça. Puis mon but aujourd'hui, là, de toute façon, j'ai préparé une présentation officielle, c'est qu'on parle de deux aspects, surtout de ce qui est automatisme, compagnie de la construction. Il y a un, il y a évidemment l'aspect logiciel, mais je veux vraiment pas qu'on se consacre là-dessus. C'est 50 % du temps. 50 % de la présentation aujourd'hui, on va vraiment être au niveau du logiciel. L'autre 50 %, c'est 100 fois plus important que le logiciel que vous allez implanter pour automatiser votre entreprise. C'est tout le reste. Leadership, politique interne, structure organisationnelle, les routines de direction, etc. Fait que sans plus attendre, je vous partage mon écran. Je vous ai préparé un Miro. Puis je vais afficher ça sur ma très grande écran ici. J'amène ça là. Je zoome out un peu et puis on embraye là-dessus. Donc, webinaire officiel, comment automatiser son entreprise de la construction? Ben, je vais commencer par maximum 5 minutes, je vous le promets, à vous expliquer qui je suis. Mon nom est Carl Durocher, je suis le fondateur de Gros. Avant d'être fondateur de l'agence Gros, j'ai eu une compagnie dans le domaine de la construction pendant de 2006 à 2013, qui était une entreprise dans le domaine des toitures. On est passé de rien à peu près à 30 gars quand moi je suis parti de l'entreprise dû à un burn-out et à un divorce professionnel. Puis là, maintenant, mes anciens associés, je pense, sont rendus environ 120 ou 130 dans l'entreprise. L'entreprise s'appelle Durotoi. J'ai, en 2014, parti de chez Gros, de chez Durotoi, excusez-moi, 2013-2014. J'ai fait une année sabbatique dans le sud. Puis après ça, j'ai aligné ma carrière complètement ailleurs, qui est dans le domaine automobile. Fait que j'ai été directeur général d'une compagnie dans le domaine des ressources humaines pour l'automobile de 2016 à 2017. Puis après ça, j'ai lancé Made by Audi avec Kevin Audi. On a travaillé en France, en Suisse, en Autriche pour les plus grosses entreprises du monde. On a travaillé pour RRG, pour Émile Frey. Ça, c'est des groupes automobiles là, c'est plusieurs dizaines de milliards en chiffre d'affaires. On parle de jusqu'à 600 concessionnaires. Pour vous donner une idée, ici, Albi en ont 25. C'est une poussière là, comparée à ce qu'on voit ici. Donc, j'ai implanté des CRM. On a fait des campagnes marketing au niveau national pour la Suisse en 2019. On supportait les concessions avec des événements de vente privée pour ceux qui savent c'est quoi. Puis, dans ce temps-là, dans le temps, en 2018, la plupart des concessions françaises et suisses n'avaient pas de CRM. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé à implanter des systèmes. Ça a été vraiment une aventure qui a été extraordinaire. En fin 2019, mon collègue et mon ami Kevin Huddy, qui est de retour chez Gros depuis une semaine, et moi décidons que je reprenne les rênes toute seule de l'entreprise. J'ai renommé l'entreprise Gros pour vraiment aligner nos services sur tout ce qui était marketing automatisé et lead gen et CRM.
Ça a été vraiment super cool. J'ai dû abandonner le projet en France puis en Suisse à mon partenaire suisse, justement, qui était là-bas pour me focaliser ici au Québec. Ben, j'ai une famille puis j'étais plus souvent là-bas qu'ici. J'aimerais y retourner. C'est dans mes plans, mais pas pour tout de suite. Donc, en 2019, je revamp la compagnie. Je l'appelle Gros. Et j'ai eu mon premier client vraiment dans le domaine de l'immobilier en juin 2020, au début de la pandémie, pour un client qui a 3 000 portes aujourd'hui dans le domaine immobilier. Il avait besoin d'un système de prospection pour faire de l'acquisition d'immeubles. Fait que j'ai commencé avec ça, juin 2020. À peu près 4 mois plus tard, je me fais appeler par Groupe Evolutev, qui sont des constructeurs avec une roquette, là. Ça, c'est extraordinaire la croissance qu'ils ont eue. Eux autres m'ont contacté pour implanter Monday. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça a quand même très bien été. En 2021, on a eu une quinzaine de projets pour des entreprises du domaine de la construction à implanter Monday. On avait 7 employés l'année dernière. Puis aujourd'hui, 2022, à date, on a 90 projets de réaliser, de commencer et ou de commencer. On est rendu 25 environ. Puis finalement, en juin 2022, on a officiellement launché Build. Build, c'est un logiciel pour les développeurs immobiliers, les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés qui roulent sur Monday. Fait que pour vous mettre en contexte, là, voyez un peu Monday comme un Xbox, comme un PlayStation, comme un Nintendo Switch. Puis nous autres, on est en train de créer des jeux vidéo pour ces plateformes-là, sauf que nous, à place d'être des jeux vidéo, ben, c'est des logiciels de gestion. Donc, on se spécialise dans la construction ou au niveau des entreprises de services. Ceci dit, comme j'expliquais tantôt, le webinaire va se dérouler là, excusez-moi, en 2 sections. Donc, on va parler de transformation numérique puis de structure organisationnelle. Puis après ça, on va parler de technologie. Pourquoi? Ben, c'est que je vous dirais que 50% de la réussite de l'implantation d'un logiciel, c'est basé sur le leadership, la structure organisationnelle, la façon que l'entreprise est bâtie, au-delà du software. J'ai beaucoup souffert, entre guillemets, cette année, dû à mon manque de considération pour la politique dans les entreprises, comment que c'est qui a de l'influence, comment ça fonctionne, les partnerships sont faits comment, c'est qui les piliers de l'entreprise qui font en sorte que des fois on avait un très grand vouloir à implanter des solutions, mais on excluait l'aspect structure organisationnelle puis politique, puis ça nous a vraiment créé des gros enjeux. Disclaimer, 75% de nos projets sont réussis. Ça veut dire qu'il y en a 25% qui sont non réussis. 15% de nos projets sont en cours, mais on défonce les heures et c'est difficile. Autrement dit, on commence un projet, puis je charge très, très rarement des extras. Je déteste le concept des extras. Fait que moi, je vais jusqu'au bout, là. Jusqu'à temps que le client soit satisfait. Donc, 15% de nos projets en ce moment, on lâche pas le morceau, mais c'est difficile. Puis on défonce les heures, puis ils sont pas encore réalisés. Donc, c'est quand même un gros morceau. 10% de nos projets sont des échecs. Par échec, on veut dire que nous ou le client ou mutuellement décidons d'arrêter de travailler ensemble. Et ensuite de ça, 5% de nos clients abandonnent Monday et leur transformation numérique. Seulement 5% de nos clients abandonnent Monday. Fait que des fois, c'est juste le match entre nous autres et le client qui n'est pas là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la transformation numérique et implanter des logiciels, ce n'est pas difficile, c'est très difficile, autant pour nous que pour l'entreprise. Veux pas, je commence à avoir un bon réseau dans le domaine des affaires. Je connais d'autres providers de logiciels de gestion d'entreprise, etc. C'est très rare que les projets sont simples et sont faciles. C'est tough, c'est la gestion du changement, c'est une compréhension, c'est des valeurs d'entreprise. Fait que je vous le dis tout de suite, la transformation numérique, c'est probablement ce qui va être le plus rentable pour vous autres à moyen long terme. À court terme, vous allez perdre des cheveux. Mais c'est le fun quand vous aimez ça. Il y a 4 règles à la transformation numérique, selon moi. La première, c'est que c'est très difficile. La deuxième, c'est que ça demande un solide leadership et une communication de feu, autant pour vous à l'interne que pour nous avec vous. La règle numéro 3, 1 degré à gauche pendant 1 km égale sine cosstan. Pour ceux qui le savent, là, sine cosstan, là, voyons, comment il s'appelle donc notre pote, j'ai oublié son nom, un vieux mathématicien, un triangle. Si on s'en va dans la bonne direction, ça va bien. Aussitôt qu'on ouvre de 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés pendant une longue période de temps, ça peut sembler rien pendant
une couple de jours, une couple de semaines, une couple de mois, mais après du long terme, on peut être vraiment champ droit dans l'implantation d'un logiciel ou même dans une relation. Donc, c'est vraiment important qu'on soit le plus aligné possible dans la bonne direction et qu'on communique continuellement. Et finalement, la règle numéro 4, c'est qu'il n'y a aucun vendeur de logiciel qui va suffisamment vous dire que c'est très difficile d'implanter des logiciels. J'essaie le plus possible d'être clair, comme vous pouvez voir dans la présentation en ce moment. Il y a beaucoup de vendeurs, surtout là, quand on parle de Zoho, Salesforce et compagnie, qui vont dire que c'est écœurant, ça peut faire tout ce que vous voulez. Oui, ça peut faire tout ce que vous voulez, mais le processus pour se rendre à ça fait tout ce que vous voulez est très difficile. Fait que j'espère que j'ai été assez clair justement à vous dire que la transformation numérique, c'est tough, mais c'est un chemin qui est inévitable. On est encore au tout début de tout ça. Ça fait 20-30 ans que la transformation numérique a commencé, mais je pense qu'on peut dire que c'est depuis la pandémie que l'entièreté des entreprises est en train d'amorcer son virage. Fait que l'important, c'est de ne pas lâcher et d'être prête. Pour se préparer, bien, on va justement parler d'entreprise, de structure organisationnelle, puis comment ça marche les entreprises. Puis vous allez voir, je pars un peu de loin, mais c'est une formation que je donne dans l'Escadron, là, qui est un groupe Facebook, puis une académie pour les gens du domaine de la construction. Pour ceux que ça intéresse, le groupe est sur Facebook. Le groupe est gratuit. Je passe des gens en live à toutes les semaines dans le groupe, des gens issus du domaine de la construction. Puis il y a aussi une académie qu'on aide les entrepreneurs de la construction à bâtir une culture, à faire de la planification stratégique, etc. Puis la première formation que je donne, c'est sur le concept d'une entreprise libérée. Autrement dit, une entreprise libérée, c'est lorsque les propriétaires de l'entreprise n'ont plus besoin de travailler dedans pour que l'entreprise opère. Vous allez comprendre dans 10 minutes pourquoi je prends ce chemin-là pour parler de transformation numérique. Selon un monsieur, que j'ai oublié son nom parce que je l'ai effacé, il y a 4 façons de générer des revenus. Soit d'être employé, d'échanger du temps contre de l'argent, soit d'être self-employed, donc d'échanger du temps pour de l'argent, mais via une entreprise, soit d'être propriétaire d'une entreprise, fait que ça, autrement dit, d'être business owner, un vrai de vrai, là, c'est un business, tu ne mets pas de temps dedans, puis elle rapporte de l'argent pareil. Elle est automatisée, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis finalement, la quatrième façon, c'est d'être investisseur, donc de mettre du cash dans des produits puis d'en retirer un revenu. Moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, là, c'est du B ici, le concept de l'entreprise libérée, parce que je veux que vous compreniez où est-ce qu'il faut se rendre avant d'envisager une transformation numérique majeure. Tu sais, il y a deux façons qu'on peut envisager une transformation numérique. La 1, c'est d'y aller tranquillement, pas vite, parce que vous avez une petite équipe, vous êtes 5, 10, 15 dans le business, ça c'est correct. Mais quand on parle là, qu'il y a 20, 30, 40 personnes à l'admin, 100 personnes sur les chantiers, la transformation numérique est vraiment très différente parce qu'en général, on parle plus d'une business. Ceci dit, dans une entreprise, il y a 6 fonctions. Il y a la croissance, la technologie, les finances, les opérations, le leadership, puis la culture. Ces 6 fonctions-là peuvent être automatisées et gérées dans des logiciels comme Monday. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, gros, on est numéro 1 en termes d'implantation de Monday au Canada. On n'a pas l'intention de diminuer le beat. Puis on est capable de tout gérer ça très bien dans le logiciel avec de l'aide de d'autres logiciels comme par exemple des logiciels comptables. La croissance, c'est quoi? C'est tout ce qui touche le marketing, le développement immobilier, par exemple, et le développement des affaires. La culture, autrefois appelée ressources humaines, inclut les ressources humaines, la marque employeur, donc votre brand, puis après ça, tout ce qui va toucher team building. Évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent là-dedans, c'est juste pour vous donner des idées. Un petit peu plus bas ici, on a tout ce qui touche le leadership, donc planification stratégique, comité de direction, routine de direction, c'est la gestion macro de l'entreprise. Pour ce qui est des opérations, planification, coordination, exécution, fait que c'est gestion de projet, productivité, etc. Technologie, tout ce qui englobe les logiciels, la cybersécurité, le matériel technologique. Pour ceux qui ont des grosses organisations, si vous n'embauchez pas en ce moment des consultants en cybersécurité pour qu'ils sécurisent vos ordinateurs, vos bases de données, vos logiciels, vous allez vous faire pincer à un moment donné, je vous le dis tout de suite. Ensuite de ça, pour ce qui touche les finances, l'aspect la plus importante d'une entreprise, si vous voulez mon avis, payable, recevable et cash flow, financement, comptabilité. Fait que, bref, les 6 fonctions d'une entreprise.
Maintenant, je vais vous parler de la traction. Maintenant qu'on comprend bien c'est quoi les 6 fonctions d'une entreprise, la traction, c'est quand ces 6 fonctions-là vont travailler en symbiose qui fait en sorte que l'une s'appuie sur l'autre pour avancer. Ça, c'est un gros défi, mais quand ça marche, c'est le fun. Chez Gros, on a des passes que la traction est super élevée. Puis après ça, c'est sûr que si on embauche 20 personnes d'une année, on a des pertes de traction qui se font. Puis c'est pour ça qu'en général, on va vivre de la croissance. Après, on va pérenniser, qu'on appelle, donc vivre un plateau pour solidifier nos processus avant de repartir en croissance. Donc, je vais vous montrer un exemple de traction. Qu'est-ce qu'un scénario dans lequel une entreprise manifesterait de la traction au sein de son fonctionnement? Par exemple, à tous les comités de direction que vous avez à toutes les semaines, tous les mois, whatever, il y a un sujet qui est relevé qui traite d'augmenter les ventes. Je vais me tasser un peu. Donc, le sujet, moi, je suis responsable de, je suis le boss de la compagnie, puis là, je dis, hey, il faudrait augmenter les ventes. Dans la rencontre, j'ai quelqu'un qui s'occupe des finances, qui est là, qui est chez nous, Guylaine, ma mère. Je vais dire, man, on va augmenter les ventes. Prépare-nous un budget de 8 000 $ par mois parce qu'on va craquer le marketing dans le fond. L'événement d'aujourd'hui en est une résultante de la rencontre qu'on a eue à l'interne. Évidemment, un coup que le budget est créé, il faut aviser l'équipe marketing comme quoi qu'on va avoir besoin de lancer des campagnes marketing. Fait que je suis le directeur marketing chez nous en plus d'être le président de l'entreprise. Fait que moi, je colle la shot après ça à ma directrice marketing qui est Mathilde de dire on a un budget, on a 120 000 sur l'année. Là, j'aimerais ça que tu me prépares tel. Prépare-moi un plan de match. Suite à ces campagnes marketing-là, magie, hein? On a trop de mandats. Fait qu'on cale la shot aux opérations via Monday parce que nous, tout est géré à l'interne pour dire on a trop de mandats qui rentrent, ça prend une solution. Je vais zoomer out un peu. Point numéro 5, on refait un comité de direction un mois plus tard pour dire les campagnes marketing ont fonctionné, on a trop de mandats. On doit recruter. Les finances sont là. Guylaine prépare un budget pour la chasse de tête. On a besoin de recruter rapidement. À ce moment-là, la culture prépare la description des postes, font la mise à jour de la marque employeur, prépare le onboarding des nouveaux employés, donne des mandats de chasse de tête. Puis ensuite de ça, le point numéro 7, le marketing fait décoller des campagnes de pub pour le recrutement. L'attraction, c'est la manière dont tout ça se déroule. Plus que ça se déroule bien, plus que ça se déroule sans friction, plus qu'on a de traction. Maintenant, ce qui est cool, c'est que tout ça peut se gérer à 100% dans un logiciel. Autrement dit, de dire, bon, il nous faut plus de ventes, clique sur une coupe de boutons, call l'achat aux finances, call l'achat au marketing, besoin de plus de prospects, etc. Ça s'applique aussi pour une entreprise du domaine de la construction que je vais vous montrer juste un petit peu plus loin. Donc ça, c'est l'attraction. Oups, je zoome ma mauvaise écran. Ici maintenant. L'imputabilité, c'est la clé de l'attraction et d'une entreprise libérée. En anglais, c'est accountability. C'est beaucoup plus spécifique comme mot. La redevance en français, en fait. Il y a un de mes clients qui me dit, c'est pas de l'imputabilité, Carl, c'est la redevance. Je vais le changer ici. Je ne vais pas le changer tout de suite. La redevance, là, c'est qui est responsable de ces fonctions-là? Puis c'est quoi le rapport avec comment automatiser une entreprise, la construction et tout ça? En ce moment, la technologie permet de créer ce qu'on appelle des robots administratifs. Donc, des robots administratifs, c'est des logiciels comme Monday, whatever, qui vont automatiser certaines tâches ou la passation d'informations à un département à un autre. Je donne un exemple. Vous faites de la prospection immobilière. Bon, il y a quelqu'un qui call des gens au téléphone, fait de la prospection, identifie un immeuble. Pèse sur un bouton, ça envoie une mission à personne légale pour envoyer une promesse d'achat. Le déroulement il continue, puis on va le voir plus en détail tantôt. La promesse d'achat, c'est bon. On veut aller de l'avant avec la recherche et développement, savoir est-ce que ce terrain-là ou cet immeuble-là, ça vaut la peine qu'on l'achète pour construire dessus. On va passer l'information comme une usine à un autre spécialiste pour que cette personne-là fasse la gestion de projet. Si on n'a pas des gens imputables à chacune des étapes, des gens responsables des fonctions de l'entreprise, quand va venir le temps d'implanter un logiciel, ça va tomber entre les cracks, ça va tomber partout. Parce que si, exemple, il n'y a personne qui est réellement imputable des finances,
puis que nous autres, on vient implanter un système de gestion. Puis que là, le gars des opérations nous donne son idée sur comment que le système devrait gérer les finances, le président aussi un peu, Puis là, on pitch ça dans les mains du comptable, puis on dit, tiens, voilà comment ça marche. Ben, peut-être que le comptable va dire, oh, mais t'as peur, moi, là, ça ne marche pas de même dans mon département. C'est pas en tout comme ça que ça ne marchera pas, ça va être brisé. Fait que, tu sais, tantôt, quand on parlait de prendre un degré trop à droite pendant une longue période de temps, là, imaginez si on passe, nous gros, 20 heures avec vous autres pour définir qu'est-ce que vous avez besoin au niveau des finances. Pendant ces rencontres-là, j'étais avec deux personnes qui sont non imputables des finances, puis on travaille. Fait que 20 heures gros, 20 heures deux gars chez vous, 60 heures de temps. Pour finalement se rendre compte qu'on n'a pas impliqué la personne imputable des finances dans le processus, puis on doit recommencer. Je vous donne des guidelines, le rapidos, là. Chaque heure de perte de temps équivaut à peu près à 150$. 60 heures fois 150, c'est 9000$ qu'on prend et qu'on met aux poubelles. Pas à 100%, mais ça ressemble à peu près à ça. Donc, si dans votre entreprise, vous n'avez pas bien déterminé l'imputabilité des gens, puis que quand on rentre en mode implantation de logiciel, ces personnes-là n'ont pas été bien identifiées, il y a des fortes chances qu'on manque notre coût. Puis je vous le dis, tu sais, tantôt, quand je vous parlais des projets qu'on a échappés, c'est parce qu'on n'accordait pas assez d'importance, nous, gros, à déterminer c'était qui réellement les gens imputables dans l'entreprise, puis c'était quoi la politique interne de l'entreprise. De dire, hey, il y a deux coordonnateurs, là, ces gars-là sont pesants. Tu sais, comme on peut se fier sur eux pour un paquet d'affaires. Mais le comptable contrôleur financier, c'est un contrôleur financier, mais il n'y a pas du tout une vue globale de l'entreprise. On ne se fie pas à lui. On est mieux de parler à l'adjointe exécutive pour tout ce qui touche les finances. Bref, ça, nous, c'est des erreurs qu'on a faites au courant de l'année 2022 que l'on essaie de rectifier le tir. Pour ça qu'encore une fois, avant même de penser à implanter des logiciels, demandez-vous, là, c'est qui est imputable là, de nos fameuses 6 fonctions? C'est qui va porter le flambeau de s'assurer que ces gens-là ont leur mot à dire dans le projet? Visionnaire versus intégrateur, cette partie-là, on va la skipper. Puis accountability chart, bien, c'est un petit peu plus loin, là. Ici, oups, excusez-moi, perdu ma souris. Dans le fond, ici, bon, on a un visionnaire intégrateur, je ne rentrerai pas dans les détails à ce niveau-là. Ça, l'intégrateur, c'est un peu un directeur général, mettons. Fait que s'il y a le président, le directeur général, puis en dessous, ici, on a les 6 fonctions de l'entreprise. Fait qu'on a technologie, opération, etc. Puis on a des gens ici qui sont imputables à chacune de ces fonctions-là. Puis après ça, en dessous, on pourrait rajouter des gens. Fait que je pense que je l'ai un petit peu plus haut, mais je ne suis pas sûr. Ouais, ça, c'est notre structure organisationnelle à nous. Fait qu'on peut voir que ici, dans mon pod numéro 1, bon, mais Charles est imputable du pod numéro 1, ça date, ça, c'est plus lui. Puis après ça, ici, c'est tous les gens qui sont dans son organisation. Ça veut dire que si on veut savoir comment ça marche un pod, que nous, on appelle, bien, c'est à Charles qu'il va falloir qu'on parle. Puis bref, structure organisationnelle, si vous n'avez pas ça, pensez même pas à implanter un logiciel, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, si on fait un petit recap rapidos, là, la grosse base, avant même de faire l'implantation d'un logiciel, au niveau structure organisationnelle, c'est sûr qu'il faut que vous définissiez vos besoins et tout ça, là, mais c'est de vous assurer de, est-ce qu'on a quelqu'un d'imputable à nos 6 fonctionnalités? Est-ce que les gens ils comprennent bien qu'est-ce qu'ils ont à faire? Est-ce qu'on a une certaine traction dans l'entreprise ou non? Si on n'en a pas, bien juste aviser la personne qui va implanter les logiciels ou peut-être travailler là-dessus avant même de penser d'automatiser les processus parce que si à l'interne, les humains ensemble n'ont pas une routine puis un certain beat, c'est sûr que le logiciel ne va pas faire des miracles par-dessus tout ça. Puis après ça, encore une fois, tout repose sur l'imputabilité. Dernier petit point avant que je vous montre un processus automatisé dans un logiciel, les routines. Qu'est-ce que je veux dire par routine? C'est que normalement, vous savez probablement, les grosses organisations ont des conseils d'administration, des comités de direction, des comités exécutifs, etc. La journée où vous allez vouloir décider d'implanter un logiciel ou de prendre un grand virage numérique, vous devez absolument mettre en place des comités. Donc, ces comités-là pourraient avoir lieu, je vous propose, à toutes les semaines, dans lesquels les gens des 6 fonctions vont échanger à dire, « Hey, moi, juste pour vous dire, l'aspect vente du logiciel, là, je suis rendu là, j'ai telle embûche, j'ai telle question. » Puis, on fait des tours de table comme ça toutes les semaines, puis on essaie de trouver des solutions ensemble pour
justement que toute l'entreprise soit à la même longueur d'onde dans l'implantation de leur logiciel. Imputabilité, routine, communication. Maintenant, on va parler de technologie. Dans le fond, je vais vous montrer un setup qu'on a implanté, qu'on implante pas mal tout le temps ces temps-ci. Il y a plusieurs aspects au système. Aujourd'hui, je vais essayer d'en couvrir 6. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de me rendre jusqu'au OCR, mais mon but, c'est plus que vous compreniez les grandes lignes, justement, d'un système automatisé. Donc, ce qu'on va voir, c'est prospection immobilière, développement immobilier, CRM construction, demande de soumission, gestion de construction et OCR. Donc, c'est un flow. Fait qu'on va commencer par voir, OK, on prospecte des immeubles. Un coup que les immeubles sont prospectés, on va aller en mode développement immobilier, donc tout ce qui est urbanisme, etc. Après ça, un coup qu'on dit, OK, on veut construire dessus, ça va rentrer dans la gestion de projet, des projets de construction. Après ça, on va aller en demande de soumission. Puis après ça, on va aller en gestion de construction, donc les grandes étapes de la construction d'un actif immobilier. Puis après ça, le dernier point, c'est le OCR. Donc, le OCR, qu'est-ce que c'est? C'est un robot. Ça veut dire Optical Character Recognition. C'est un robot qui va lire des documents PDF ou même des feuilles de papier pour en faire ressortir les valeurs. Comme par exemple, sur une facture, numéro de PO, ça va venir mettre numéro de PO, deux petits points, puis ça va venir l'écrire automatiquement, soit dans le logiciel comptable ou dans Monday. Fait que donnez-moi juste un instant, j'en ai pour 2 minutes. Je vais arrêter mon partage, puis pendant ces 2 minutes-là, je vais juste préparer le logiciel pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. J'ai demandé l'autorisation de 2 de mes clients pour vous montrer certaines informations de leur système sans tomber dans de l'information confidentielle. Fait que c'est ça que je suis en train de préparer à l'instant. Ça, faut que je veux juste être sûr qu'on ne voit pas des choses qu'on ne devrait pas voir. OK, ça, les PO, c'est bon. Et le OCR. Ici, il y en a un automatisé. Voilà. Ça ici, gestion de projet construction. On y arrive. Hey, pendant ce temps-là, s'il y en a, je pense que moi, j'ai des collègues à moi qui sont dans le chat. Là, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient juste de voir, là, si vous vous posez des questions par rapport à tout ce qui est structure organisationnelle, etc., gênez-vous surtout pas, vous pouvez poser des questions dans le chat. Et on va aller dans développement immobilier ici. J'y arrive. All right. Fait que je vous repartage le tout. Voyons, je cherche mon bouton. C'est ça ici. Et voilà. Oh, attends un peu. Je viens de voir que mon écran est trop grand, fait que ça ne partage pas tout. Fait que je vais aller mettre ça comme ça. Je vais essayer de zoom out un peu. Donc, le premier module, encore une fois, là, moi, mon objectif, c'est de vous montrer un flow. Fait que, tu sais, que vous voyez, en fait, votre entreprise identiquement à une usine, mais que cette usine-là, qui est administrative, là, dans le sens que c'est une secrétaire, un comptable, tout ça, puis en ce moment, vous vous pitchez des papiers, vous envoyez des courriels, vous allez vous parler, tout ça. Là, c'est de vous montrer un flot de tâches qui est automatisé. Ce que vous voyez à l'instant, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est notre module de prospection immobilière. Donc, c'est ici qu'on va venir mettre des actifs immobiliers, comme, mettons, je pourrais mettre le 2770 Jacques Bureau. Ça, c'est ici. C'est où est-ce que je suis présentement, dans les gros bureaux. À droite, ici, on pourrait mettre un responsable de la transaction, dire que c'est Carl de Gros, puis de me mettre un deadline pour me dire, OK, il faut que la transaction soit finie le 26 août, ou peu importe, une tâche. Puis encore une fois, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous montrer comment que Monday fonctionne. À droite, on a plein de données, comme un fichier Excel qu'on peut venir mettre. OK, bon, c'est quoi le type de projet? C'est-tu du redéveloppement industriel? C'est quoi la région? Ça a combien de pieds carrés? C'est quoi la ville? C'est des datas.
Les groupes que vous voyez là, juste ici, je vais le fermer, celle-là. Bon, les groupes que vous voyez là, c'est toutes les étapes d'une prospection standard, donc à prospecter, contacter, intérêt à vendre, etc. Ici, j'ai plusieurs statuts liés à mon opportunité qui fait en sorte que si ici, je pogne, mettons, je la mets à prospecter pour intérêt à vendre, mais à ce moment-là, ma propriété va venir se mettre dans le groupe toute seule, intérêt à vendre, à moins que j'aille fermer les automatisations avant ma présentation, mais je ne penserais pas. Fait que tout le temps, un petit délai au début, quand on active une automatisation, puis ça va de plus en plus vite, de plus en plus souvent qu'on active les automatisations. C'est pas mal comme ça pour tous les logiciels. J'ai créé un actif immobilier, puis qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez voir que j'ai des sous-éléments qui sont en train de se créer. Autrement dit, on a programmé qu'aussitôt qu'il y avait une tâche, un actif immobilier qui rentrait dans la prospection, j'avais une série de tâches qui étaient déclenchées. Donc, on a analysé une propriété intéressante, on l'a mis dans le système vient créer, contacter le prospect, analyse de l'urbanisme, etc. Tout ça peut être changé super facilement, puis les tâches ont été assignées aux bonnes personnes. Un coup que, bon, on se rend compte que cet actif-là est intéressant et que la personne elle a un intérêt à vendre, l'élément est venu se déplacer ici automatiquement. Ça a pris du temps parce qu'avant, il y avait une création de tous les sous-éléments qui étaient là. Donc, là, on tombe à intérêt à vendre. J'aurais pu déclencher aussi une série de tâches liées à quand un projet tombe dans intérêt à vendre. J'aurais pu envoyer des notifications à des gens, envoyer des courriels automatisés, envoyer un courriel au propriétaire de l'actif, etc. Ce qu'on peut faire à ce moment-là dans les workflows de tâches est pas mal illimité. C'est beaucoup plus dans le traitement des données qu'on va avoir des défis, mais encore une fois, c'est pas l'objectif du webinaire aujourd'hui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le Jacques Bureau, cet actif immobilier-là, je vais venir le mettre en développement. Quand on met un actif en développement, il va tomber dans le groupe ici automatiquement en développement après quelques instants. Mais la partie la plus importante, c'est qu'à ce moment-là, quand un actif devient en développement, c'est qu'on doit créer un projet en tant que tel pour assurer le développement immobilier de cet actif-là. Donc, dans quelques instants, là, vous allez voir, il va se déplacer, il va s'en venir ici. Puis là, on va changer de module. Donc, on n'est plus en mode prospection immobilière, mais on va être beaucoup plus en mode gestion de projet immobilier. Puis c'est là que, dans la gestion des projets immobiliers, qu'on tombe complètement dans un autre type d'utilisation. Je vais me mettre dans ma vue par défaut, ça va prendre une couple de secondes avant que ça arrive. Mais grosso modo, ce qu'on a, c'est qu'on a un template ici. Puis dans le template, on le voit, là, on a évaluation immobilière, études environnementales, financement, arpenteur, architecte, ingénierie. Puis si j'ouvre ici évaluation immobilière, bon, ben là, à ce moment-là, j'ai déjà des tâches qui ont été préassignées aux bonnes personnes. En dessous ici, j'ai études environnementales. Encore une fois, il y a une série de tâches, financement. Et ici, j'ai avisé équipe estimation, arpenteur, architecture, ingénierie. Autrement dit, ce template-là, c'est qu'on peut le modifier comme qu'on le veut, vous autres de votre côté, sans même avoir à nous appeler, pour qu'à toutes les fois qu'il y a un actif que vous voulez le faire tomber en mode développement, que cet actif-là soit, que le template des tâches soit fait sur mesure pour vous autres. Qu'est-ce que ça a de l'air quand que justement c'est plus en mode opérationnel? Mais c'est que là, ici, on peut voir qu'il y a des tâches qui ont été assignées à plein de personnes avec des coûts à prévoir, des deadlines, des statuts, comme qu'on peut voir ici, qu'on est en attente de la ville. On peut venir mettre des fichiers. Fait que toute la gestion de projet pour le développement immobilier va se faire dans ce module-là. Juste ici, on a un bouton qui s'appelle « Éviser équipe estimation ». C'est quand on va cliquer sur « Terminer ». Autrement dit, on a été chercher l'évaluation immobilière, l'étude environnementale et le financement. Tout ça, c'est fait, c'est prêt to go, c'est prêt à aller de l'avant. Quand on va cliquer sur « Terminer » ici, là, ce n'est plus l'équipe de développement immobilier ou ce n'est plus l'équipe de prospection immobilière qui ont le projet en charge. Ça se trouve à être vraiment toute l'équipe estimation, soumission, toute l'équipe qui est plus axée construction. Donc, on a un module pour ça qui s'appelle gestion des soumissions. C'est dans gestion des soumissions ici que on va encore aller dans le template, qu'on va venir sélectionner tout ce dont on doit faire pour soumissionner le projet. Fait que souvent, c'est la personne aux estimations qui gère ça. Comme vous pouvez voir ici, c'est ici qu'eux autres font leur gestion de demande de soumission. Puis qu'après ça, ils peuvent venir choisir c'est quoi les sous-traitants. Fait que je vous donne un exemple super concret. Ici, c'est tous les codes d'activité que ce client-là utilise. Ensuite, est-ce que les matériaux, on veut qu'ils soient inclus à la soumission ou non? C'est quoi le projet lié à ça?
c'est quoi le code d'activité comptable lié à ça? Parce qu'on va connecter toute cette partie-là avec le logiciel comptable pour que ça rentre automatiquement. C'est qui les sous-traitants qu'on veut envoyer la demande à soumissionner? C'est quoi la date de démarrage du projet? Est-ce qu'il y a d'autres descriptions qu'on veut leur envoyer dans la demande de soumission? Après ça, on met les plans ici. Un coup que c'est complet et qu'on a toute l'information nécessaire, bien, on a juste besoin de cliquer sur « Envoyer » à « Envoyer », excusez-moi. Puis là, ça va envoyer automatiquement à tout le monde des demandes de soumission. Fait que si, par exemple, ici, on a quatre fournisseurs ou sous-traitants pour l'excavation, puis qu'on vient cliquer sur « À envoyer », bien, à ce moment-là, les quatre vont recevoir un courriel préformaté avec l'information qu'on est venu mettre ici, avec la demande de soumission, les plans, les accès, puis tout ça. Maintenant, toutes les réponses qu'on va recevoir en lien avec ces demandes de soumission-là vont venir se mettre en sous-éléments ici. Mettons, je dirais ici, on va juste éteindre « Agence Gros ». Puis c'est ici qu'on va venir mettre tous les détails en lien avec les soumissions. Montant avant taxe, preuve assurance, preuve RBQ, spécimen chèque, etc. Il y a moyen de l'automatiser que les fournisseurs ou les sous-traitants remplissent des formulaires pour que l'information rentre automatiquement, mais c'est compliqué de changer les habitudes des gens. Connecter avec quel logiciel comptable? Anne-Claire Benoît. Présentement, on se connecte avec Avantage et avec QuickBooks. On est en train présentement de travailler sur la connexion avec Acomba. Notre prochain gros défi va être avec Maestro, qu'on pense avoir terminé pour janvier 2023. Puis on se connecte aussi avec Progression Live pour tout ce qui est service. C'est Sage qui n'est pas vraiment Simple Comptable, qui n'est pas sur. On ne travaillera pas avec Sage probablement avant au moins un an. Voilà. Donc, ici, toutes les demandes de soumission, on va venir les rentrer. Puis après ça, ici, il y a un bouton « Accepter, refuser ou reçu ». Donc, ce qu'on peut faire, parce que ça, c'est à votre discrétion, si je clique sur « Refuser », ça envoie un courriel au sous-traitant pour dire, dans le fond, « On t'a pas pris pour les travaux, mais merci beaucoup ». Puis, aussitôt que je clique sur « Accepter », il faut juste faire attention, parce que j'ai dans le système de mon client. Si je clique sur « Accepter », ça va envoyer un courriel au sous-traitant, puis ça va créer un PO aussi automatiquement, donc un bon de commande. Je vais vous le montrer ça dans quelques instants. Donc, la personne aux soumissions, pour faire un recap, là, elle reçoit une alerte pour dire « Hey, il faut que tu soumissionnes sur tel projet, voici les détails, les plans sont là, puis tout ça ». Elle, ce qu'elle vient faire après ça, c'est que le template se duplique automatiquement puis il va se renommer avec le nom du projet ici. La seule chose qu'elle a besoin de venir faire, c'est tout simplement dire est-ce que les matériaux sont inclus, exclus, c'est qui les sous-traitants qu'elle veut qu'ils soumissionnent, c'est quoi la date de démarrage approximative, puis c'est quoi la description si on veut en ajouter. Elle clique sur « Envoyer » et l'affaire est jouée. Après ça, c'est beaucoup plus facile de faire le suivi sur à qui qu'on a demandé des soumissions. Plus besoin de fouiller dans des courriels à l'infini, ça se fait tout seul. Aussitôt qu'on accepte un sous-traitant à ce moment-là, tout de suite après, ça va créer un PO. Prochaine étape, je ne veux pas trop aller dans CRM construction finalement parce qu'on va manquer de temps. J'aime mieux qu'on passe du temps sur le OCR puis la gestion des chantiers, la gestion des budgets, tout ça. Là, ce que je vous montre en ce moment, c'est beaucoup plus pour un entrepreneur général qu'un entrepreneur spécialisé. Lorsqu'on envoie les demandes de soumission puis que les soumissions sont acceptées puis que ça crée des PO, ça vient aussi dans la gestion des chantiers de construction. Puis ça vient se corder à bonne place. Comme là, en ce moment, on est dans la gestion d'un chantier de construction. Fait que, on peut voir là, toutes les grandes étapes ici par porte qui sont ici avec les budgets de take-off, le montant des PO envoyés, les factures reçues. Puis si je l'ouvre ici, bien, c'est tous les codes d'activité qui sont là avec les PO qui sont ici. Donc, si par exemple, je clique sur coffrage semelle ici, bon, bien, ça ici, c'est des PO que je peux consulter directement dans Monday qui ont été envoyés de Monday. Après ça, bon, mais ça, le prorata PO, on n'en parlera pas, c'est quand on est plus dans du complexe. Mais bref, tout ça pour dire que le PO vient se mettre automatiquement à la bonne place. Fait que si on a demandé une soumission pour coffrage semelle et qu'on a accepté un sous-traitant ou un fournisseur, ça va venir se mettre ici automatiquement. Le PDF va venir se connecter, le PO va se mettre là, comme ça, on est sûr que tout soit classé à bonne place pour que les gens qui font votre gestion de projet puissent avoir accès à toute l'information super facilement. Si je me tasse un peu à droite, ici, il y a tous les échéanciers qui sont là, comme qu'on peut voir qu'ici, ils sont un petit peu en retard. Puis si je me tasse à droite, je suis capable de voir c'est qui le sous-traitant, c'est quoi les dépendances pour tout ce qui est gante. Tu sais, là, les calendriers horizontaux pour dire, OK, si je tasse le plombier, que tout se décline tout seul. Puis ici, j'ai ma gestion de budget. Puis c'est là que ça commence à être vraiment intéressant.
Étant donné que les PO sont envoyés de Monday du système, puis après ça, connecté avec le logiciel comptable, ici, on va avoir le montant des PO qui est là. Des take-off. Excusez-moi, take-off, c'est estimation. PO, c'est quand on envoie les PO sous-traitants. Juste à droite, ici, on voit facture réelle. Donc, on voit le montant des factures qu'on a reçues pour les PO qu'on a envoyées. Puis ça, l'information rentre aussi automatiquement parce que les factures qui rentrent à une adresse courriel, comme par exemple payable@agencegroup.ca. Sur les factures, il y a un PO. Donc, le système va matcher la facture avec le PO puis va venir l'imputer ici automatiquement. Je vous donne un exemple. Gestion des payables, il est où? Gestion des PO. Bon, bien, ce PO-là, juste voir lequel exactement, celui-là ici. On voit qu'on a reçu pour 50 000 de facture, mais on a envoyé pour 23 000 de PO. Ici, je pourrais voir que j'ai mes deux PO qui sont là. Puis si je clique dessus puis que je descends un petit peu, bien, je suis capable de voir ici, ah, payable. J'ai reçu deux factures ici déjà. On avait prévu 40 000 au take-off. Finalement, ça coûte 60 000, puis on a un écart de 20 000. Je clique sur la facture. Là, je suis rendu sur ma facture. Là, je suis capable d'aller la voir ici directement. Fait que l'accès à l'information est très simple, qui fait en sorte que l'aspect gestion de construction, gestion des PO, etc., est lié avec le département de comptabilité. Fait qu'on est capable d'avoir un flow, comme dans une usine, que l'information se passe d'un département à un autre sans qu'on ait besoin de faire 17 téléphones pour essayer de comprendre la facture qu'on a reçue, est-ce qu'on peut l'approuver ou non. Ça, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Fait que bref, c'est ce système-là tout connecté ensemble entre la gestion des soumissions, l'envoi des PO, la réception des factures, puis la liaison avec la gestion de projet, qui fait en sorte qu'ici, on est tous capables de faire notre gestion de coûts en temps réel, puis même que ça vienne calculer les relâches pour les PO. Bref, je n'entrerai pas trop dans les détails. Je veux canner ça dans les 5 prochaines minutes qui nous restent pour pouvoir vous laisser le temps de manger. Dernière étape, gestion des PO et des factures. Donc, quand je vous parlais là, du système automatisé, le fameux OCR, c'est à cela que ça ressemble. Autrement dit, c'est qu'ici, on a une série de PO qui sont là. Donc, ça ici, c'est vraiment tout ce qui est gestion de PO. Après ça, on est capable de voir le PO, il est en lien avec quel sous-traitant, quel compte QuickBooks, c'est quoi le montant du PO, c'est quoi la soumission retenue. Fait que on a tout accès à ça directement dans le même tableau. Après ça, on peut voir à qui qu'on a envoyé les PO. Puis finalement, les factures vont venir se corder automatiquement en sous-éléments. Fait qu'on peut voir ici là, que j'ai deux factures qui ont rentré. Divers coûts QBO, c'est excavation Lacombe. Ça a été des entrées qui ont été faites manuellement. Fait que ça, ce n'est pas le système qu'ils ont lu automatiquement, à part si je me trompe. Je suis capable de voir le total, la facture qui est ici. Ça, d'après moi, ça a été fait automatique. Je ne pense pas que les gens y auraient mis autant de détails que ça, sinon. Bref, fait que je suis capable de voir le montant sans taxe, le montant avec taxe, la facture ici, le numéro de la facture. Fait que dans cette vue-là, PO et facture, on voit tous les numéros de PO qui sont ici. Puis après ça, les factures vont venir se corder en sous-éléments, tout simplement comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas habitué avec ma petite souris que j'ai là. Fait qu'ici, on peut voir que ciment, MPA, finition, exportation réussie. Ça veut dire que la facture a été approuvée ici. Puis en cliquant sur exportation réussie, la facture a été intégrée directement dans le logiciel comptable. Fait que toute la gestion des finances, la gestion de l'entreprise va se faire dans un écosystème que tout le monde a accès à l'information, que tout dépendamment la tâche ou le projet est rendu où, ça pitch des tâches aux personnes. Ça devient très collaboratif parce que les gens peuvent échanger dans le même système. Puis quand nous, on désire, on va pousser l'information dans d'autres systèmes comme par exemple le logiciel comptable. Pour en arriver là, OK, parce que je pense que c'est super important que, puis je veux finir là-dessus. Là. Je vous ai montré deux systèmes, C4G, mon beau-frère, puis gestion Finstar. Je les ai montrés très sommairement. Encore une fois, je leur ai envoyé un petit message ce matin pour m'assurer que je pouvais leur montrer certains trucs sans qu'on tombe dans le confidentiel. Finstar, ça fait un an qu'on travaille avec eux. On n'a même pas commencé par la grosse gestion de construction. Au début, c'était juste du développement immobilier, etc. On a créé un bond avec gestion Finstar qui fait en sorte que je les aide dans le recrutement de directeur général, etc., dans leur planification stratégique, mission, vision, valeur. On s'est rendu là après 9 mois de travail ensemble, puis environ 50 000 $ en frais. C4G, ça a été plus vite. On a commencé juin.
Puis, en date d'aujourd'hui, ça fonctionne. La seule partie qui reste à faire, c'est de connecter avec leur logiciel Avantage. On est là dans le processus, mais toutes les factures rentrent dans le système. Puis, comme vous avez vu, c'est eux autres qui avaient la grosse gestion de coûts avec les prorata, puis ça a fonctionné super bien. Ça s'est pas passé sans embûche. Il n'y a aucun projet de transformation numérique qui se fait sans embûche. Vous le savez, la plupart d'entre vous, vous êtes dans la construction. Bâtir un size porte sans accrochage, ça n'existe pas vraiment. T'sais. C'est un peu la même chose pour nous autres, mais je tiens juste à vous le dire que de gérer une compagnie de la construction, c'est pas mal plus difficile que gérer une compagnie comme la mienne. Vraiment. Incomparable. Là où nous, le défi est, c'est que c'est un partnership. C'est vraiment une collaboration entre nous et vous. Et non, viens faire ma toiture, tu arrives, tu fais la toiture, tu décrisses. Nous, c'est pas comme ça. On forme une équipe. Fait que c'est vraiment important, comme je disais tantôt, que la communication soit bonne et tout ça. Et ça demande du temps. Il y a des projets qu'on est capable de faire super rapidement. Comme là, j'ai les filles de, j'ai oublié le nom de l'entreprise, je ne sais pas si vous êtes là, qui est une compagnie de designers que j'ai vu que vous étiez inscrit à ce webinaire-là. Ça a été super bien, c'est un atelier, on a canné ça, c'était super cool. On a fait une compagnie de cuisine aussi qui faut bâtir des armoires de cuisine. Ça a pris 2 semaines, fini, classé, réglé, ça fonctionne pour eux. Ils étaient sur QuickBooks, fait que c'est vraiment plus facile. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Le plus important, je vous le dis tout de suite, puis après, je vous laisse là-dessus, là. Si votre structure organisationnelle, c'est un bordel, la direction, là, si ça, c'est un enjeu, pour nous, ça va être difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas le projet, ça va juste être plus difficile. L'autre point super important, c'est que si vous avez déjà en place des systèmes, que ce soit sur Excel, que ce soit sur papier, etc., et que ça fonctionne bien, que ce n'est pas parfait, mais que ça fonctionne bien, vous avez un paquet, les coupables. Merci, Nathalie. Bonjour, Nathalie, d'ailleurs. Si vous avez des systèmes en place déjà, que vous êtes sur un autre logiciel, que vous utilisez Excel, peu importe, là aussi c'est un bon défi parce qu'il faut changer les habitudes des gens, puis ça devient beaucoup plus difficile. Fait que pour vous donner une idée là, de ce que vous venez de voir, là, implanter un système comme ça pour un développeur immobilier ou un entrepreneur général ou un entrepreneur spécialisé, si vous ne voulez pas connecter ça avec votre logiciel comptable, c'est entre 15 et 30 000, grosso modo. Ça va des fois jusqu'à 45 000. Si vous voulez plugger ça avec votre logiciel comptable puis avoir un système de lecture de facture automatisé, là, on parle plus d'environ 45 000 à 70 000. Les projets sont subventionnables, donc vous allez payer rarement plus que 50 % de la facture. Des fois, vous allez payer 20 % de la facture. Ça dépend d'un paquet de trucs. C'est Essor du gouvernement d'Investissement Québec qui couvre ça. Sinon, il y a des prêts sur 5 ans sans intérêt comme Pécan qui existent. Autrement dit, on vous implante un système, ça coûte 60 000. Ils mettent ça sur 5 ans sans intérêt. Comme ça, vous êtes capable d'être cash flow positif dans votre projet. On fait un gain d'efficacité avant que ça ait un impact dans vos poches. Fait que, t'sais, il y a plusieurs programmes qui existent en ce moment. C'est sûr que moi, je suis content. Ça nous a permis de passer presque on devrait finir l'année presque à 30 personnes cette année. Ben, je pense que c'est parce que les gouvernements se rendent compte que c'est un peu une course contre la montre, que les entreprises doivent se numériser, doivent devenir le plus efficaces possible, mais ce n'est pas facile. Okay, merci à tous d'avoir été là, soit en live ou ceux qui vont être là en replay. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, vous pouvez m'envoyer un courriel. Sinon, il y a mon collègue Claude Hervé, ça se peut qu'il vous lâche des coups de fil pour vous dire comment ça va. Site d'appel d'offres SEAO, ça, c'est pas vraiment. C'est une excellente question, Anne-Claire Benoît. J'ai un de mes clients qui s'appelle, je pense, Anne-Claire, tu es de l'Ardèque, toi, je pense. Mais pour ce qui est de SEAO, j'ai un de mes clients qui est IGF Axiom, que c'est un ingénieur, qu'on a travaillé avec lui, puis il bidait souvent sur le SEAO. Fait qu'on avait commencé à checker pour se connecter sur ce logiciel-là, mais c'est vraiment pas dans nos plans, je dirais, de se plugger directement sur SEAO. Il n'y a pas assez d'infos à transférer, puis il n'y a pas assez de valeur à transférer cette information-là. Il y a un petit lag en passant entre le moment que je reçois vos messages puis quand je parle, là, fait que ça se peut que je vous